Les 12 meilleures chansons ivoiriennes de 2017 ont été primées le 10 février 2018 à Abidjan. Dénommée The Heroes 225, cette cérémonie de récompense était à sa deuxième édition. Les artistes du Zouglou, du Coupé de Calais, du rap, des humoristes et bien d'autres personnalités du monde culturel étaient à l'honneur à cet événement. Ça donne encore l'envie de travailler davantage pour, n'est-ce pas, essayer d'avoir encore 3, 4, 5, 6, pourquoi pas 20 Heroes. C'est pas donné. Et on est contents, nous les artistes de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Et je me sens vraiment particulièrement honoré. Et ça me pousse encore à travailler encore plus. Un trophée en Tunisie, deux trophées en Côte d'Ivoire, un trophée au Burkina. Vraiment, c'est touchant, c'est éloquent, c'est époustouflant. The Heroes est un concept de distinction né au Togo en 2016. Il permet de valoriser annuellement des talents nationaux de la culture. Ce concept a fait son entrée en Côte d'Ivoire en 2017 et les organisateurs veulent en faire un événement panafricain et même mondial. On a déjà des demandes au niveau du Mali, au niveau du Tchad, au niveau du Bénin, du Ghana, du Nigeria. Vous avez pu constater qu'il y a des gens qui sont arrivés du Nigeria justement pour l'événement. Donc, notre objectif, notre ambition, c'est que tous les pays, que ce soit africains, européens, américains, asiatiques et tout, puissent fêter leur tube, leur héros. 25 tubes étaient nominés durant cette deuxième édition de The Heroes 225 et le vote du public a déterminé les 12 lauréats. Le Togo célébrera de son côté The Heroes 228 le 13 février 2018.